Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai un petit vidéo, un petit tour de ma, qu'est-ce que je l'appelle, mon rangement maquillage, où je fais mon maquillage. Pour moi c'est un petit bureau à côté de ma chambre dans mon nouvel appartement. Alors je vais vous montrer ce petit pièce quoi. Alors on commence ici, je dis pas la porte parce qu'il n'y a pas une porte, mais l'entrée de ma petit bureau. Alors première chose que vous verrez, c'est la guirlande que j'ai achetée chez Etsy, lien en barre d'infos. J'ai beaucoup de travail encore de faire sur cette mur là. Je veux mettre beaucoup des jolis cadres, des jolies photos quoi. Et ensuite, vous verrez deux tapis. Le premier là, ça vient de Urban Outfitters et j'adore vraiment les couleurs. Et un petit blanche qui chauffe mes pieds les matins quand je fais mon maquillage. J'ai une miroir qui n'est pas encore mis sur le mur là. Comme j'ai déjà dit, j'ai encore de travail à faire. J'ai beaucoup de choses imaginées pour ce pièce. Alors ensuite, un petit truc que j'ai acheté chez IKEA et que j'ai peinte en menthe. Avec des petits détails, des détails en pied doré, car j'adore ça. Et mon sac est très souvent là. Alors mon sac Marc Jacobs est là. Alors on tourne. Voici mon desk, mon bureau que j'ai acheté chez IKEA. Que j'aime bien, vraiment c'est très utile. Et sur le table vous verrez quelques produits pour la peau que j'utilise chaque jour. Ces produits là sont des produits que j'utilise très souvent. Alors la solution pour mes verres contact, en l'huile pour les cheveux, lotions que j'utilise très souvent, une masque pour les nuits que je porte quand j'ai des petits boutons, et le Bioderma que j'adore franchement. Et il y a aussi le shampoing sèche de chez Ojan et un huile pour la peau de chez Origine. Et ce petit truc que j'adore franchement, un côté Frenchy là, où je mets soit des épingles, soit des élastiques, voilà. Est une miroir qu'en fait c'était laissé par la première personne qui habitait dans mon autre appartement. Alors je l'ai piqué, elle a laissé, et je l'ai peinte. C'est pas blanche, c'est en violet très clair, violet très clair. Ensuite mon ordinateur, c'est un iMac, et vous verrez ma dernière vidéo haul que j'ai fini le montage aujourd'hui. Et mon clavier et ce truc, je sais pas ce qu'on dit, c'est un truc pour le souris, mais je l'ai trouvé sur Etsy aussi et j'aime bien, surtout la forme en cercle, c'est très utile aussi. Mes stylos préférés, miroir que j'utilise tous les jours pour faire mon maquillage, et ce truc que j'ai trouvé chez Urban Outfitters où je mets un peu n'importe quoi ici aujourd'hui à mes lunettes. Alors le maquillage, on commence. J'ai trouvé ces trucs pour diviser en plastique chez, je me souviens plus, je crois que c'était sur IKEA ou quelque chose pareil. Ici c'est des produits soins, beaucoup, là ils sont tous des produits Origine, comme je travaille pour la marque c'est ce que j'utilise. Ensuite j'ai des trucs pour les yeux, pour mes verres contact, un peu tous. Voici deux poudres, un de chez NARS, un poudre libre,
et en poudre bronzant de chez Smashbox. Voilà ici tous mes teints, tous mes fonds de teint. Bah, ici le bourgeois, Kat Von D, ça c'est le Vichy correcteur. Voilà MAC, Tarte, Clinique, Estée Lauder, un peu tous parce que j'adore les teints. Ensuite, en collection des rouges à lèvres, j'utilise le plus. Ça c'est où je mets la plupart de mes rouges à lèvres que j'utilise au quotidien. Alors, Sephora It Girl ici, mes deux Chanel ici, quoi d'autre, quelques rouges à lèvres de chez NARS, vraiment des rouges et des roses vifs. Ici c'est mes produits chouchou. Je l'ai mis ici parce que je les utilise très très souvent. Rigueur Psyll, mon primer de chez Benefit, un rouge de chez NARS, des correcteurs, le Gimme Brow du Benefit, des correcteurs, des mascaras et sans doute mes chers eyeliner. Alors ça c'est là. En bas, il y a mes Beauty Blender ici, plus des rouges à lèvres NARS là, un truc NARS ici, un bronzant pour la peau, et ici quelques fards de chez MAC. Ensuite, j'ai mes illuminateurs, et ça c'est un crème pour les yeux, bah, qui illumine les yeux. Alors, j'adore franchement les illuminateurs, alors j'en ai beaucoup. M, Benefit, Benefit, M, Benefit, Smashbox, voilà. Et ici, j'ai un blush Benefit ainsi qu'une poudre pour la peau. Là, un poudre Maybelline. Voici mes Shimmer Brick de chez Bobbi Brown que j'adore franchement. Là, j'ai mes cols pour les cils. Et les produits Liptar que j'utilise beaucoup pour les jolies lèvres. Là, un petit truc origine pour éliminer les boutons. Alors ici, un poudre Rimmel que j'ai reçu en swap avec Elodie. Et un autre Shimmer Brick. Et là j'ai des autres rouges à lèvres ou produits rouges à lèvres, baume rouge à lèvres quoi, là et en bas ici crème pour les mains, hop là, crème pour les mains Caudalie est un shampoing sec de Bumble and Bumble. Et là j'ai les choses un peu n'importe quoi, mes lunettes, mon chouchou crème pour les cheveux Bumble, mes verres contact, des lingettes, voilà. Alors, ensuite on continue avec mon truc, le Beauty Box, qui est un truc surtout pour les beauty addicts comme moi. Ici j'ai tous mes rouges à lèvres MAC. Et en bas, j'ai en palette NARS. Avec des fards que j'adore beaucoup parce que j'aime bien NARS. Ensuite, j'ai les multiples de chez NARS ainsi que les crèmes skiantes. Et qu'est-ce qu'il y a? Un truc Bumble and Bumble. Voici quelques palettes. Bumble, ça c'est un miroir Sephora, blush, Smashbox, Smashbox, fond de teint, crème, un petit gloss NARS. Ensuite, des trucs, voici un palette Smashbox et Bobbi Brown pour les yeux, primer Tom Ford, Bobbi Brown fond de teint que j'ai pas encore utilisé, des cils en fard Bobbi Brown, mes faux cils et mon NARS en orgasme. Oups. Qui était en duo avec un bronzer, mais j'ai tout utilisé le bronzer comme on pourrait bien voir. Ici Skin Finish Bobbi Brown bronzer, Bronzer Physician's Formule,
Estée Lauder, bah, vous pouvez bien voir. Un deuxième Gimme Brow parce que j'adore ce produit. Ensuite, bah, un peu n'importe quoi, des masques ici. Des masques et des correcteurs. Un sérum Origine. Un rouge à lèvres Benefit. Et ici, j'ai plus des rouges à lèvres. Un peu, bah, beaucoup. Et ici, des échantillons. Soit des produits en pleine forme, mais que j'avais pas encore vraiment testé. Mon huile prodigieuse de chez NYX. Ici, un crème Coparel que j'ai reçu grâce à Elodie. Ici, c'est des vitamines. Je pense qu'on dit en français. Ici, quelques produits pour les cheveux. Voici les tiroirs. Ici, c'est un peu bah, n'importe quoi. Voilà. Ici, tous mes outils cheveux. Sèche-cheveux, bah, mon cher GHD lisseur. Et dernier tiroir, c'est les trucs plutôt électroniques. Mon appareil photo, autre. Voilà, voilà. Et on passe à mon petit truc là. Alors ici j'ai tous mes brosses là. Ce truc vient de Ikea, bah, tout ici. Cet bah, étage, mais bah, vous comprenez. Et là aussi de Ikea avec ces. Voici beaucoup des eyeliner, des liners pour les lèvres quoi. Ici quelques produits pour les cheveux, ma brosse, encore des échantillons ou des vernis, beaucoup de mascara ici, ainsi que quelques bah, rouges à lèvres, des gloss, voilà. Ici j'ai mes chères boucles d'oreilles. Voici quelques produits, des baumes rafraîchissants et des produits pour les cheveux. Ici, ben voilà, les colliers, les bracelets, un serre-tête, des colliers, ma couronne en fleurs pour me chauffer. Ici, un boîte d'un peu n'importe quoi. Comme je suis encore en train de décorer, comme j'ai mentionné. Alors j'espère que vous avez bien aimé ce petit tour de mon rangement de maquillage dans mon petit bureau. Des bisous de Brooklyn. Mouah. Bye.